Oui. Zahra, citez quatre précautions. OK. Ne pas intervenir les bouchons des flacons. Fermer directement le flacon après usage. Ne pas confondre les flacons de produits chimiques. Attacher les cheveux longs. D'accord, merci. Nour Abou Khalil, Oui. quel est le nom de de cette verrerie? Béchir. Quoi? Béchir. Béchir ça. Ballon en fond plat. Très bien. Maya Srour, Oui. c'est quoi? Ballon à fond rond. Regardez, bravo, très bien. On va continuer. Oui, Maya. Erlenmeyer. Erlen Meyer. D'accord. On a Kinda. Kausar. Fiole jugée. Attends. بعد ما حطينا شيء استاذ. Donc, c'est une fiole jaugée. Et c'est quoi? Bêcher forme haute. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va continuer l'explication. Matériel de laboratoire. Alors, ici, on a ce qu'on appelle verre de montre. Oui. On utilise ce matériel pour peser quelque chose. Alors, on met le verre de montre sur une balance. Et on met la substance à peser sur le verre de montre. D'accord? Ou bien si on veut brûler quelque chose, par exemple, un morceau de magnésium, oui, on peut le brûler et on met en haut du verre de montre et le produit obtenu, ça devient dans le verre de montre. Ici, on a spatule. Donc, les spatules utilisées au laboratoire. Il y a une cuillère utilisée au laboratoire, on l'appelle spatule. Alors, on a de nouveau, comme nouvel matériel, c'est verre de montre et spatule. Question? استاذ Oui. هيدول درجتنا يون هديك المرة وقفنا على سلايد دي يمكن استاذ، احنا اخذنا بس اول دو سلايد، احنا وقفنا عند البشار الفير دو مونتر والسباتول بعتقد ما وصلنا لهم مي انا ان تو سا حفظتهم اون فا كونتينيي سافا alors c'est entonnoir si on veut verser un liquide dans la fiole jaugée ou dans autre verrerie on peut utiliser l'entonnoir. Mortier et pilon, si on a un cube de sucre ou on a un craie, on veut pulvériser ce solide, d'accord? On peut utiliser le mortier et le pilon. C'est clair? Oui. Y a-t-il de questions? Oui. Et nous, tu peux Oui. enlever c'est lever la main. Éliminé. Oui. Oui. D'accord, merci. Donc, son coupillon pour tube ASC et coupillon pour bécher. On utilise ces deux matériels pour nettoyer les verreries au laboratoire. Il y a des coupillons pour les tubes ASC. Et de coupillon pour les béchers, de même pour les lamelles. Ça va? Donc, selon Oui. le matériel. Ces deux ne sont pas très importants, mais il faut savoir comment on peut bien nettoyer le matériel au laboratoire. Ce matériel est très important. Ces tubes réfrigérants plus pince. Alors, bien sûr, le pince, ce n'est pas important. L'important, c'est le tube réfrigérant. C'est quoi le tube réfrigérant?
Le tube réfrigérant, c'est comme on a deux tubes, l'un dans l'autre. Un tube se trouve dans l'autre, comme ça. Et on utilise ces tubes pour refroidir les vapeurs chaudes produites d'après une évaporation. On va voir, on va travailler avec le tube réfrigérant dans le deuxième chapitre, lorsqu'on va faire une expérience au laboratoire. Vous allez voir l'importance du tube réfrigérant et comment il fonctionne. Ça va? Jusqu'à maintenant, il faut seulement savoir le nom de ce matériel. L'utilisation, ce n'est pas demandé de vous. Seulement, j'ai expliqué un peu pour prendre une idée à propos de l'utilisation de chaque matériel. Alors, tube réfrigérant, c'est pour refroidir la vapeur produite lors de l'évaporation du liquide. Comment? On va voir. On continue? Oui. C'est ampoule à décompter. On l'utilise, l'ampoule à décompter, dans le cas où on a deux liquides non miscibles. Qui a une idée à propos, c'est quoi deux liquides non miscibles? Est-ce que vous avez écouté ce mot, vous avez une idée à propos, c'est quoi deux liquides non miscibles? On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher. Non. Quel est le liquide HEC? Quel est le liquide HEC? Non. Monsieur, deux liquides non miscibles, c'est comme l'eau et l'huile. C'est-à-dire forme deux phases. Si on a eau et alcool, on obtient une seule phase. Mais si on mélange eau et huile, l'huile flotte sur la surface de l'eau, n'est-ce pas? Monsieur, l'eau et l'huile forment deux phases et elles ne se mélangent pas. Oui. Alors, l'eau et l'huile sont deux liquides non miscibles. Pour séparer ces deux liquides, on peut utiliser l'ampoule à décompter. On met l'eau et l'huile dans l'ampoule, donc l'eau en bas et l'huile en haut. Et on ouvre le robinet, l'eau passe vers le bas, et qu'est-ce qui reste à la fin? L'huile dans l'ampoule à décompter. Donc, on utilise l'ampoule à décompter pour séparer deux liquides non miscibles. Vous avez compris l'idée? Oui. C'est quoi? C'est le bec. Bonsen. Le bec Benson. Donc, à laboratoire, on n'a pas un four. On a ce qu'on appelle le bec Benson. On l'utilise pour chauffer quelque chose. Pour brûler quelque chose. On continue. Comme ça, on a terminé le premier PowerPoint. On va continuer le matériel. Alors, dans le premier PowerPoint, avez-vous des questions à propos de n'importe quel matériel? Je vous donne une idée, une petite idée à propos de l'utilisation de chaque matériel. Mais ce n'est pas demandé de vous. Pour vous, vous êtes responsable d'étudier le nom de chaque matériel. Et c'est très important pour vous, monsieur. Hein? Voilà, on continue. Oui.
Donc, on va continuer le matériel. C'est quoi? Thermomètre. Un thermomètre. Ça, c'est une éprouvette graduée. De même, on peut remplir l'éprouvette graduée avec n'importe quel liquide. Et cette éprouvette graduée, c'est-à-dire qu'il y a un nombre. Donc, si on veut, il y a éprouvette de 10 ml, de 25 ml, selon le volume demandé de ce liquide. Si on a ici 30 gouttes, c'est utilisé si on veut ajouter 2 gouttes. Pour ne pas ajouter une quantité plus grande qu'on va ajouter nécessairement, alors utiliser le compte-gouttes. On a la pipette graduée, de même on a pipette jaugée et pipette graduée. Sur le livre, vous trouvez deux types de pipettes, pipette graduée et pipette jaugée. De un, pourquoi on utilise la pipette et quelle est la différence entre graduée et jaugée? Bien. Maintenant, si on a une expérience et on veut préparer, par exemple, on peut prélever 10 ml de la solution X. On a une solution X, solution liquide. Et on veut prélever exactement 10 ml. Au laboratoire, lorsqu'on veut travailler avec précisément, on utilise les pipettes. Si on veut prélever un volume et ce volume doit être précis, on n'utilise pas l'éprouvette graduée. On utilise une pipette. Elle est graduée ou jugée, on va voir. Donc, de un, c'est clair pourquoi on utilise la pipette au laboratoire? Oui. Donc, on utilise la pipette pour prélever un volume précis. Monsieur, quelle est la différence entre pipette graduée et pipette jaugée? Monsieur, dans la pipette graduée, regardez sur l'image ici, il y a des graduations, il y a des nombres. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? D'accord. Yani, si on veut prélever 5 ml ou 7 ml, on peut utiliser la pipette graduée. Mais c'est quoi? C'est quoi la pipette jaugée? Lorsqu'on a expliqué la fiole jaugée, je dis qu'il y a un trait, ce qu'on appelle le trait de jauge. Oui. D'accord, hostess? Oui. Quel chiffre jaugé manne gradué? Yani, la maoul pipette jaugée de 10 ml, yani, haïdi le pipette manne mra'am. بس في عندي تري هيدا التري لما بدي اسحب فوليوم لازم اوصل عند هيدا التري pour dire que j'ai prélevé 10 ml. فاذا الفرق بين جرادويي وجوجي انه بالجرادويي اذا هي 10 في اسحب 7 ملليلتر في اسحب 8 ملليلتر ليش لانه في عندنا الارقام مي دون لا بيبيت جوجي بتكون معلمي استاذ بس لعند تري دو جوج يعني بعرف انا انه سحبت 10 مي اون نو بو با سافوار او اون نو بو با بريلوفي 7 ملليلتر لا لانه ما عندنا جراديواسيون ما عندي دو نومبر بور انديكي كيونا 7 ما عندي شحطات ما عندنا تري لنعرف وين ال 7 وين ال 8 عندي تري بس لاعرف انه شو انه 10 جو ريبيت بالبيبيت جوجي بكون في عندنا تري دو جوج
يعني إذا عندي pipette jaugée de 10 millilitres, je peux prélever seulement 10. On ne peut pas prélever 7 millilitres à l'aide d'une pipette jaugée. لأنه أساس بالpipette jaugée ما بتكون ما عنده بالمرة ولا تري غير تري واحد يلي هو بدال إنه هون وصرت صاروا 10 ملليلتر. Mais pour la pipette graduée, regardez sur l'image ici sur l'écran. Il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on peut savoir, on peut prélever 10, on peut prélever 9, on peut prélever 8. Lèche, là, nous faisons des traits. Fais-moi le faire ben gradué ou ben jaugé. Oui. Oui. Mim pas de naïd. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas yani, nécessaire pour vous parce qu'avec vous en classe 7, classe 8, classe 9, on ne travaille pas avec précision, c'est-à-dire on n'utilise pas les pipettes. C'est d'après la classe 10, vous devrez utiliser les pipettes. On va travailler de ça en classe 10. Mais cette année, seulement vous devrez étudier le nom du matériel. On a burette. Gradué et pince. Et le burette, il y a les abattes qu'on a fait le fort mettre les pipettes. Bah, c'est le faire et le burette, beaucoup de fil à robinet, mais t'as hâte. Haïd le burette, c'est un mille à barbe et alba solution estèse. Au bnaz, le bif t'as robinet, bnaz, le menu la t'as hâte. Et ça m'a pas dénazé, ben j'ai absacré. Et ça, haïd est ma burette graduée, à qui supporté par une pince. Ou de même, les images se trouvent dans le livre. Il y a 15 matériels que nous avons fait. Maintenant, nous avons fait le livre. Vous êtes responsable d'étudier le matériel ici dans le PowerPoint. Mais de même, vous devrez regarder dans le livre si un matériel n'est pas clair. Un matériel n'est pas clair. C'est quelle page? À la fin, je pense c'est 144, je pense, 145. Oui, c'est 144. Alors, c'est rond de tube AEC, parce que le tube AEC a un fond rond, alors on ne peut pas le mettre sur la table ou sur la paillasse. Alors, on a un rond en bois pour mettre le tube AEC. Pour ne pas casser. De même, c'est le tube A et C. D'accord? Donc, c'est pince métallique. De même, on a pince en bois, mais ça, c'est pince métallique. On l'utilise pour attacher ou pour prendre. Si on a, par exemple, un morceau de fer chaud, on peut attraper à travers une pince métallique. Regardez, c'est support plus pince. C'est support. Attends. Et si c'est support avec un nom de fer, alors ou bien on utilise pince ou bien un nom de fer, et ici on a morceau ou pince en bois. D'accord? Monsieur, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Sur non. Oui. Donc, lorsqu'on a travaillé pipette, regardez monsieur, lorsqu'on a parlé de la pipette, c'est ici. Donc, si on veut prélever un volume à propos de pipette, qui fait mener sa base, on met la pipette, on met la pipette, on met la pipette, on met la pipette,
Non. 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 Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser? On utilise ce qu'on appelle propipette. Regardez ici. Ça, c'est propipette ou ce qu'on appelle poire propipette. Mais on met Heidi et Sez fort à la fête de la pipette, mais fort. Oui, la wahda, t'amol, t'eshab, le volume, une solution, le nahna badnaye. Le 28, c'est tige en verre, on l'utilise pour agiter. Si on met eau plus sel, on veut agiter, on utilise des tiges en verre. On a toile métallique, on met la toile métallique sur le bec Benson. Alors, pour si on veut mettre le ballon ou un bécher, à l'étoile, estèze, hek ma bioa. En haïda l'étoile, on met sur le bec Benson. La hâte, on met sur le bécher ou n'importe quel matériel pour faire chauffer ou évaporer le liquide ou n'importe quoi. Ici, on a ce qu'on appelle papier filtre. Dans le chapitre 2, on a une expérience, c'est la filtration. Alors, pour filtrer un mélange, on utilise ce qu'on appelle papier filtre. Le papier estèze contient de petites pores. Laisse passer seulement le liquide. Yani, si on a eau et sable, et on met l'eau et sable sur le papier filtre, l'eau traverse le papier filtre, mais le sable reste sur le papier filtre. Ça va? Ici, ce sont des bouchons à un trou pour fermer, par exemple, la fiole jaugée, n'importe quel flacon. Ça, c'est la pissette. Il y a une bouteille d'eau distillée. On met dans cette bouteille de l'eau pour nettoyer, pour ajouter de l'eau pour n'importe quoi. Comme ça, on a terminé le matériel chimique. Qui a deux questions avant de continuer? Y a-t-il deux questions? Estèze, Fianna, Chisoual? Non. Donc, pour vous, c'est demander d'étudier les précautions et le matériel. Un des 32 matériels, 32 verreries, ou un des précautions. C'est clair? Oui. Oui. Estèze, un peu de chimie. Alors, monsieur, c'est chaque lundi, on est online. Et le jour du Khamis, on est un malaf ta'alimi. Yani, la jeudi. Et le chimie, ma ba'a ta'at de gayer. Hier, j'ai vu sur le programme. Donc, la période de chimie reste comme elle est, mais je pense, comme elles sont. Mais je pense, jeudi, au lieu de première période, c'est deuxième période seulement, je pense. Mais reste, la période de rester lundi et jeudi. Demain, monsieur, si aujourd'hui, demain, le programme va changer, alors vous devrez voir si la période est en vert ou en jaune. Si en jaune, c'est-à-dire online, si en vert, c'est-à-dire vous envoyer de PowerPoint. Oui. استاذ بسمة اصلا هو عم بيكتبوا غلط لما تكون اخضر يعني ما بيرتسموا هن بالقلب انا بفوت على المدرسيه وبشوف هنيك شو عنا لحظه كيندا دو اسمه استاذ جاعدي استاذ بس لاسماء من المعروف كنت عم بقول انه هن لما يحطوا اصفر او اخضر ما بيلتزموا فيها مين ما بيلتزم انا عم بقول غلط مثلا عملات بتكون مثلا الشيمي معلمة أصفر ما بس ما بنكون فاتحين زوم كيف لا استاذ نحن اليوم الشيمي معلمة أصفر عم نطلع اونلاين ايه بقى معك بس انه مش على طول بس هلا استاذ يمكن بعض الاساتذه لإلكم شو بصير
اوقات بيضطر الاستاذ بيضطر الاستاذ انه يقلب حصه الزوم يعملها ملفات تعليميه وحصه الملفات التعليميه يعملها زوم. هيدا الخيار للاستاذ، هو بيشوف شو الانسب. انتبهنا كيف؟ فانتوا عندكم المفكره استاذ، يعني لليوم لما انتوا فتحتوا المفكره لقيتوا انه انا بعت لكم لينك للزوم اونلاين، صح؟ بس اكيد ما راح اجي انا يكون عندنا يومين والسيستم واقف واجي ابعت لكم ملف تعليمي. يعني اليوم حتى لو كانت ملف تعليمي يمكن كنت انا حقلبها زوم. يعني اوقات عم بيضطر الاستاذ. انتبهنا كيف؟ انتوا استاذ عليكم بتتابعوا على الاجندة شو عم نبعث لكم نحن. صفا؟ يا procédure d'urgence. Si un produit chimique est renversé sur la peau, inondez immédiatement la zone avec de l'eau. Faites-le, monsieur. N'importe quelle substance chimique. Si on a acheté dans le laboratoire, ou on a des solutions liquides, fais-je à la peau, j'ai choisi à la peau, et les derniers me rouvrent le rasel. Quel que soit ce produit chimique, يمكن ما يعمل شيء. بس de en même temps peut-être c'est un acide et vous ne savez pas que c'est un acide. Donc rapidement, ça va, on va ajouter de l'eau. يعني ندير نروح على الروبيني، بنفتح الروبيني وبنكب مي على ايدنا. Si un produit chimique entre en contact avec vos yeux, une assistance sera nécessaire pour inonder les yeux d'eau. هون استاذ يعني اي حدا بحس انه يمكن عم بحط ليكيد او ما بعرف شو طرش اجى على عينه دغري بعيط للاستاذ، بعيط للمدام اللي هي مسؤوله عن اللابوراتوار لحتى انه دغري ننتبه للموضوع. نحن بنعرف شو هن البرودوي الشيميكي اللي بين ايديكم. فهون كمان يعني اي برودوي شيميكي بيجي على البو، بيجي على عيننا، بيجي كيف ما كان، لازم نحن دغري نطلب مساعده الاستاذ ودغري نروح نشتغل على المي. لانه الاو فا دولييي لا كونسنتراسيون دو سي ليكيد دو سيت سوليسيون، بخفف من حده هيدا السوليسيون. يعني اذا كان اسيد وعم نحط مي دغري بخفف قوه الاسيد. فهمنا ليه؟ Ce sont des informations comme ça, يعني. Ce n'est pas demandé à étudier. Si le vêtement ou les cheveux prennent feu, utilisez une couverture anti-feu, de l'eau froide ou de la glace peut être appliquée sur de petites brûlures. كمان يعني بحال حدا بالخطأ حط إيده وصار في عنده بغلور يا إما على الفيتمون، أو صبية ما ربطت شعرها باللابوراتوار وحد البيج بنسن قام ولع شعرها، اكيد دغري استاذ منطفي بالمي. فبدنا ننتبه بهيدي النقطة. Si un produit chimique est renversé sur la table ou le sol, vous devez le nettoyer immédiatement. De même, اي produit chimique نحن ما لازم نترك شيء باللابوراتوار، directement ننظف البرودوي الشيميك لانه ممكن هيدا البرودوي الشيميك رياجي افيك لير. يعني besoin a besoin يعني un peu de temps pour faire la réaction chimique. لانه في عندنا برودوي شيميك استاذ اذا انا بشيله من الفلاكون اللي لهم بيعملوا رياكسيون افيك لير. اوكي ممكن هيدا الشيء يعمل اكسبلوزيون. عندي مثلا الصوديوم، ما حدا مثلا يكون عنده صوديوم يجي يحط فوقه مي، لانه الصوديوم افيك لو بيعمل اكسبلوزيون. هيدا رياكسيون شيميك. كرمال هيك نحن باللابوراتوار ما بنتصرف استاذ لوحدنا، دائما دائما بدنا يكون الاستاذ حدنا وناخذ اذن من الاستاذ على اي فلاكون بدنا نقرب او اذا حبينا نعرف شو في بقلبها هيدي الفلاكون، مش مثل ما بدنا بنتصرف. هلا vous devez connaître l'emplacement de la couverture anti-feu ou des extincteurs. Regardez monsieur, هون ici à part.
فعنا الكوفرتور انتي فو وفي عنا الاكستنكتور اذا صار في عنا اي كومبستيون اي عمليه كومبستيون بقلب اللابوراتوار ديريكتومون فينا نستعملهم pour éviter une catastrophe. استاذ وي هلا اذا نحن عملنا جاتو انا خلطنا فارين مع سكر هيدي بتكون دو لا شيمي هيدي بتكون دو لا شيمي قصدك انه شيء ان ريلاسيون افيك لا شيمي انه مثلا اذا عملنا جاتو خلطنا قرف مع فارين مع سكر Monsieur, ça, ce qu'on appelle transformation chimique ou ce qu'on appelle réaction chimique. On va voir ça. Donc, dans la vie, n'importe quelle transformation. Et durant cette transformation, on a passé de substance à l'état 1 vers substance à l'état 2 et la nature de substance change, alors c'est une transformation chimique. Mais par exemple, بما انك حكيت بهيدي الايدي. اذا نحن عندنا غلاس. شو هو الغلاس؟ او هو او ا ان تمبيراتور تري باس. طيب اذا نحن عملنا سي اون مي لا غلاس سور لا تابل ابري ان سيرتان تون كيسكو اون فا اوبتينير دو لو دو لو Alors, est-ce que la nature change? Oui. La nature change? Non. Un, on a de l'eau, on met l'eau dans le réfrigérateur, et puis on enlève l'eau qui a devenu glace, et on met sur la table. Alors, on réobtient de quoi? On obtient de l'eau. Alors, ce n'est pas une transformation chimique. Pourquoi? Parce qu'on obtient de nouveau la matière initiale. Il y a une quelle eau, ça réglace, rejoint eau. Est-ce que ça change la nature? Non. Fait transformation, oui. Quel liquide, ça solide. Ce qu'on appelle transformation physique et pas transformation chimique. Dans le chapitre, c'est Kamel, on va parler. Quelle est la différence entre transformation physique et transformation chimique? Et on va voir tout ça. Oui. Yalla, on a de même une minute et demie. Si vous voulez me questionner n'importe quoi, si vous voulez me demander n'importe quoi, vous avez le temps. Estaz? Oui, Noor. Je veux l'extincteur. Regardez ça, l'extincteur, il y a Estaz à part, je vais vous montrer. يلا بس لحظة هي عند الليزر صار على الإكران هيدا استاذ الإكستنكتور شايفيتها وينة نستعملها هيدي طفاية الحريق وهيدي الكوفرتور أنتي فو هيدي كمان استاذ لنغطي إذا عندنا فو يعني هن اثنيناتهم نستعملهم باللابوراتوار إذا صار في عندنا أي كومبسيون أي بغلور Autre. Alors, monsieur, pour la prochaine fois, pour lundi prochain, vous devrez. Ana ma ba aoul, kil marra mnekhout fiya husset zoom, le malaf ma'akon, intu mas'oulin te dursoul am an le ana am bishrah. Am nahki bil arabi. Ma fi da'i ana aoul, lad matloubin lad daris. Ana am bishrah ou la chou, mish tan idrissoum. انا بس بحدد لكم مثلا هودي البروسيدور دورجونس هودي ما نقول للحفظ انا قلت عندنا البريكوسيون وكل الماتيريال صافا بون جورني ميرسي بور فوتر اتونسيون اتوديي بيان اي او فوار اوفوار يلا ا بيانتو